Regarde mon cadeau, original non? Ah ouais, bon, on les ouvre. Waouh, j'adore mon cadeau. Ouais, moi aussi, je vais jeter les emballages à la poubelle. Victoire, attends! Qu'est-ce qu'il y a? Mon emballage à moi, il est réutilisable. Ah oui, je me disais bien que c'était bizarre. En fait, comment ça s'appelle? Ça s'appelle du furoshiki. Du furo quoi? Du furoshiki. Du shiki quoi? Bon bref, hein, viens, je te montre. Regarde, maintenant je vais te montrer une technique pour emballer un cadeau. Okay. On met le cadeau au milieu, comme ça, et on prend les deux extrémités face à face et on fait un nœud. On fait la même chose avec les deux extrémités restantes. Il faut bien serrer, c'est ça? Oui. Après, quand on a tout bien serré, on reprend les deux extrémités et on refait un nœud et on fait la même chose avec les deux autres. Et voilà! C'est trop beau! Attends, moi aussi je connais une technique. Ah bon? Bah alors vas-y! Il faut un tissu carré. Alors, on met le cadeau au milieu. Et on prend deux extrémités face à face. On se resserre. On reprend les deux autres. Hop. Et t'aurais pas un élastique par hasard? Oui, mais pour quoi faire? On va en avoir besoin. On prend l'élastique et on enroule toutes les extrémités. On serre bien. Puis on replonge les extrémités dans le trou. Et voilà. Par contre, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle la technique de la fleur, je crois. Mais en fait, comment on emballe des objets cylindriques? Attends, je te montre. On met le tissu comme ça. Et donc, nous prenons les deux gourdes ou les objets cylindriques que nous allons emballer. Nous les mettons à une extrémité et nous les enroulons comme une crêpe. Tu me donnes faim. Après avoir terminé, on relève nos deux objets cylindriques. Et on fait un nœud. Et voilà! Ah ouais! C'est chouette! Mais par contre, je ne sais pas d'où ça vient le furoshiki. Ça vient de Chine. Les Chinois les utilisaient pour emballer leurs affaires quand ils allaient faire leur toilette. Ils les utilisaient aussi pour emballer des objets précieux à leurs yeux, non? Oui, c'est ça. Mais en fait, ils viennent d'où tes tissus? Ils viennent de couvertures ou de t-shirts qu'on n'utilise plus. Ah ouais, c'est écologique du coup. Si le cadeau est emballé dans une écharpe ou un t-shirt, elle peut le réutiliser comme un double cadeau. Et sinon, si c'est juste une couverture usagée, elle peut le réutiliser pour offrir un cadeau à quelqu'un d'autre. Ah ouais. Mais t'es en train de m'arnaquer, c'est-à-dire que moi j'ai eu un cadeau et toi deux. Ah bah oui, tu vois, c'est ça l'avantage d'être écologique. D'ailleurs, tiens, je t'offre un cadeau. Ah merci. Mais le cadeau, c'est le tissu, pas la boîte. Merci. De rien. On est un groupe de 5 copains pour changer la distance.